Isabelle Taubel, je suis auteure dramatique, comédienne, metteur en scène et citoyenne. Vous avez 35 ans de carrière théâtrale derrière vous et vous êtes vraiment une figure du théâtre tunisien. Pourtant, vous avez toujours le trac, d'après ce que vous m'avez dit. Quelle sensation vous ressentez quand vous montez sur scène ? C'est terrible. Hier, je disais à Majid Rabelsi, qui est là depuis un moment, je dis, écoute, j'ai envie de m'enfuir. Ah oui, ouais. Je vous assure, j'avais envie comme ça. Une fois le maquillage fini, le costume, j'avais vraiment envie, je dis, je vais sortir comme ça, par la fenêtre. Ouais. Voilà, et c'est vrai que ce sentiment de... C'est comme quand j'avais 13 ans, quand j'ai fait ma première scène à ce moment-là, à Ibn Rashiq, où il y avait ce trac qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on dit, ah, je vais. Non, c'est un truc comme ça, c'est une vague d'émotions qui arrive et qui fait très mal. Mm. Hein, le trac, il fait très mal parce qu'on sent qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, des émotions qu'on contrôle, des larmes, des choses. Surtout après des moments comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, oui, 35 ans de carrière, comme si je monte sur scène pour la première fois. Justement, votre nouvelle pièce que vous allez présenter ce soir, c'est Yakuta, et elle a aussi des réminiscences politiques. C'est vous qui avez écrit cette pièce ? Oui. Ouais. Alors, comment vous faites pour vous mettre dans un processus créatif ? Comment ça vous arrive ? Comme toutes les belles choses. Naturellement. Naturellement. J'ai jamais fait un effort pour écrire. J'ai jamais forcé l'écriture. Comme toutes les choses qu'on aime dans la vie et qui arrivent comme ça, tu les prends dans tes bras et l'histoire commence. Et depuis très longtemps, c'est comme ça que j'écris. Ce que je vois, ce que je ressens, les belles choses, les drames. Et je ne vais pas changer parce que c'est un chemin qui me convient parce que je suis la première concernée par ce que j'écris. J'ai besoin d'être moi-même. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'être sincère. D'accord. Et alors, votre pièce est mise en scène sur une musique de Mehdi Trabelsi. Exactement. Quelle est votre relation justement avec la musique ? Ah, la musique, c'est une colonne vertébrale dans le théâtre. Hein. La musique, ce n'est pas un effet. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un son qui accompagne ou qui fait des charnières. La musique, c'est une colonne vertébrale, c'est un personnage qui parle son langage et qui est présent et qui porte réellement le mot. Et c'est une expérience très très riche parce que après avoir travaillé avec le piano, une présence comme ça sur scène, le fait de faire autre chose, de passer à autre chose en faisant la musique pour être enregistrée et dans la bande son, c'est aussi une expérience très très riche et les expériences nous apportent à chaque fois quelque chose de merveilleux et on se laisse comme ça entraîner par les belles découvertes quoi. Je m'appelle Mehdi Trabelsi, j'ai 27 ans, je suis pianiste et compositeur. Alors j'ai écrit au total à peu près 12-13 compositions qui sont plus ou moins courtes, plus ou moins longues, parce que pour le théâtre, bon, c'est assez variable. Alors comment ça se passe ? Du coup, elle t'envoie le texte et après toi, tu imagines des compositions qui vont avec ou c'est un processus se fait en parallèle ? C'est un processus déjà qui commence à chaque fois de manière différente. Ok. Pour Horeya, parce que précédemment, j'avais fait la musique de son dernier... spectacle, ça s'était passé complètement d'une autre manière. Là, pour Yakuta, ça a été assez spécial parce que, si vous voulez, le Covid nous avait éloignés aussi de cette manière qu'on avait travaillé avant assez proche. Donc moi, en général, j'ai besoin qu'elle m'en parle parce que vous avez, j'imagine, un peu senti l'énergie que dégage Leïla, c'est une personne bien sûr, ouais. Voilà, qui passe beaucoup par ça, donc j'ai besoin qu'elle m'en parle. Et puis après, je laisse tout ça un peu fermenter, je vois où est-ce que...
où est-ce que naturellement j'ai envie de me diriger. Je vois si ça va avec elle. C'est des allers-retours constants, quoi. Et comment vous vous êtes rencontrée avec Leïla? Alors, c'était en 2015. Alors, vite fait, parce que bon, Leïla, c'est une grande histoire. On s'est rencontrés en 2014-2015 en France. Et j'ai trouvé en elle, si vous voulez, cette partie de la Tunisie qui manquait peut-être en moi. Et elle m'a beaucoup aidé pour me réconcilier peut-être avec cette deuxième partie de ma nationalité, et donc ma binationalité. Et puis après, on a travaillé ensemble artistiquement, et puis ça a été vraiment une très 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 grande rencontre dans ma vie. D'accord. Alors j'ai une dernière question. Comment tu fais pour transmettre des émotions en musique? Oula. Que ça, c'est un truc que je trouve incroyable pour les compositeurs. Le processus en lui-même est compliqué, mais en tout cas le fait de sentir une émotion et de ne pas pouvoir se la laisser sur le cœur, c'est ça qui pousse quelqu'un à monter sur scène et à la délivrer au public. Et à la partager, voilà. Et en même temps l'extraire de soi. Exactement. Ouais. C'est un processus pour s'alléger. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, quand on m'appelle tout le monde, je suis Mich, je suis le directeur technique de la compagnie de Leïla Touboul, et je l'accompagne depuis des années, quoi. Et voilà. C'est quoi ton rôle en tant que directeur technique ? Alors, en fait, c'est de gérer toute l'équipe qui sont avec moi aussi. Il y a Sabri Atrous au niveau de création et éclairage, il y a Hentraya qui gère aussi le sous-titrage, et moi sur le spectacle je gère le son, la diffusion son, je suis aussi sur la création du bruitage qui existe sur le... et j'ai enregistré aussi la bande-son de Mahdi Travesi. D'accord, alors du coup c'est quoi dans cette machine la tienne? Alors il y a ici le PC, l'ordinateur qui gère la diffusion sonore. Donc ici on lance toutes les sons avec tous les repères prévus. Ici il y a la console de mixage. Voilà. Ici on a le surtitrage qui est simultané avec le jeu de Leïla. D'accord. Et ça c'est la console d'éclairage, où là il y a la conduite d'éclairage. D'accord. Et donc c'est à chaque instant, ça se fait automatiquement, ou c'est toi qui dois appuyer sur chaque... Nous, c'est pas moi, c'est Hent qui gère généralement, mais chaque fois on touche. Donc il faut très vigilant pendant toute la... On a 1140 diapos à gérer tout au long du spectacle. Parce que parfois c'est pas exactement toujours à la même seconde. Ouais, c'est le théâtre, c'est l'art vivant. C'est ça, c'est vivant quoi. Ouais, voilà, d'accord. C'est pas comme le cinéma, film est prêt, après tu fais le surtitrage. Voilà. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés? Moi j'y suis arrivé la première fois lorsque Leïla a fait partie aussi de l'équipe de Al-Hamra. Donc moi j'y suis arrivé à Al-Hamra 2000. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. J'étais à Al-Hamra en 2008 pour faire un stage. Ok. Et depuis. C'est ça. Le courant est bien passé. Voilà. Comme j'ai fait aussi l'Institut supérieur de la dramatique en formation, donc je suis plus spécialisé dans le théâtre. Ok. Du coup, j'ai commencé ici aussi à théâtre. Avec Sabri Atrous aussi en éclairage. J'ai commencé mes débuts là-bas, ici. Et après aussi, j'ai fait des stages à Hamla, à d'autres théâtres. Et à Hamla, j'ai rencontré Leïla Touboul. Et depuis. On est ensemble. Je l'accompagne sur toutes ses créations.